Bonjour à vous c'est Belly, votre love coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. <laughs> si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, essentiellement j'aide les hommes timides et célibataires à trouver l'amour authentique et à devenir d'excellents amants car meilleur amant vous serez, plus de chance vous aurez. La lumière est éclatante. <laughs> Bref, on s'en fiche, je sais les garçons. Allez je vais vous donner 5 astuces dans cette vidéo qui vont vous permettre eh bien, de provoquer le manque chez une femme. Euh, je vous parle de 5 astuces mais c'est plus cinq étapes. si vous les mettez en ordre, je pense que c'est le, le mieux, voilà, le mieux. Première chose, vous allez réussir à manquer une femme si et eh bien évidemment vous lui faites passer de superbes moments. Comment on fait passer un bon moment à une femme euh, Eh bien, ça passe par vous, messieurs, par votre état d'esprit, par votre façon d'être au moment du rendez-vous. Et j'ai envie de dire à tous les moments de rendez-vous, chaque fois que vous la voyez. Je vous dis à chaque fois parce que vous êtes très nombreux à être dans la friend zone. Donc si c'est le cas, la friend zone, ça veut dire que vous êtes en fait le bon ami et qu'en réalité vous avez des, des sentiments pour votre copine, mais que vous n'osez pas passer à l'action. Si c'est le cas, vraiment pensez bien à tout ce que je vais vous dire là et mettez-les en application, s'il vous plaît. Ça serait bien. Ok Comment on fait passer euh, de bons moments Peut-être que vous lui faites passer des bons moments et vous ne vous en rendez pas compte. Et ça, c'est vraiment là où vous devez jouer là-dessus en fait. Bon, allez, j'y vais euh, parce que je suis un peu lente. Je suis un peu lente, je sais, je, je le vois, je suis désolée, ça arrive. Hein. Première chose, soyez rayonnant. Quand je dis rayonnant, ça veut dire soyez de bonne humeur. Euh, quand, on passe quand on passe des bons moments avec quelqu'un, ça passe par la joie, la bonne humeur. On est content de voir certaines personnes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des amis. Quand je les vois, je sais que je vais passer un bon moment avec eux. Donc, c'est agréable et j'ai envie de les voir. Vous voyez Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est la même chose dans la vie sentimentale. Si vous êtes rayonnant, de bonne humeur, que vous êtes rigolo, que vous avez de l'humour, que vous ayez, que vous avez la joie de vivre. Vous savez, il n'y a rien de pire que même si vous êtes timide, d'accord Il y a des hommes qui sont timides, mais il sont... y a une différence entre être timide et, et avoir une, une tête de « je fais la gueule ». Même si vous ne le faites pas exprès, pensez bien à la physiologie de votre corps euh, parce que ben, la façon dont vous allez vous tenir eh bien, va aussi montrer la façon dont vous pensez. En fait, la façon dont vous pensez, en gros, va donner euh, à votre corps des messages de la façon dont il va se tenir. Donc, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous avez peur, etc., votre corps, vous allez avoir tendance à, à vous rétrécir, à être petit, à ne pas prendre votre place. Si vous pensez à des choses positives, que vous dites que vous n'en avez rien à faire, que vous lâchez prise, que vous êtes là pour passer un bon moment, que vous êtes quelqu'un de formidable, là, tout de suite, et eh bien, votre corps euh, va suivre la cadence. Donc soyez une personne vraiment avec la joie de vivre, il n'y a rien de plus chiant d'être avec quelqu'un euh, qui va se plaindre de son travail, qui va se plaindre euh, qu'en ce moment dans sa vie euh, personnelle ça va pas. Vous pouvez bien sûr vous, vous confier, mais si vous voulez manquer à une femme, sincèrement, bannissez cette partie-là vraiment, vraiment. La deuxième chose, intéressez-vous à elle sérieusement et véritablement, authentiquement. Soyez 100% présent lorsque vous êtes en rendez-vous avec elle, écoutez-la vraiment, sans vouloir la conseiller toutes les 3 secondes, parce qu'on n'a pas toujours envie de se faire conseiller nous aussi les femmes. On est de grandes bavardes, mais parfois on a juste besoin d'une écoute. Donc, vraiment la clé à ce moment-là, c'est d'avoir l'écoute active. Je rappelle que nous avons deux oreilles, une bouche. Il est bon d'écouter deux fois plus que de ne parler. <laughs> Troisième chose, prenez des initiatives. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment faire plaisir aux femmes. Mais c'est pas une raison pour faire tout ce qu'elle veut. Non, non et non, 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 bah non. Mais même vraiment pas quoi. Non parce que ça veut dire que c'est elle qui va toujours. Il faut un équilibre. Ça veut dire que c'est toujours elle qui va décider de où elle veut aller ou c'est pas bon. Il faut vraiment lui faire découvrir aussi votre monde. Qu'est-ce que vous aimez euh, Si vous aimez des trucs de mec, eh ben c'est pas grave. Emmenez-la euh, faire des choses de mec. Euh... Euh, qu'elle a peut-être jamais fait. Pourquoi Petit 1, un, petit un déjà pour voir euh, comment elle réagit. Petit 2, vous allez lui faire découvrir quelque chose qu'elle a peut-être jamais fait, donc elle s'en souviendra, dans les deux sens, qu'elle a aimé ou qu'elle a détesté. Hein. Elle vous le dira de toute manière. Mais vous pouvez en faire un, un moment agréable dans le sens où vous allez rire. Si c'était pourri, vous allez en rire. Si c'était génial, elle va s'en souvenir, mais peut-être jusqu'à la fin de sa vie. On a tous des moments dans notre vie où on se souvient d'un détail ou d'un moment parce que le souvenir a été fort et puissant. Et il a été fort et puissant parce qu'il y a eu une émotion qui a été provoquée. Donc n'hésitez pas à lui faire découvrir votre monde, à lui faire découvrir des choses, à lui faire vivre des sensations, à la surprendre. Voilà, une femme adore être surprise. Quatrième phase, utilisez ma technique super puissante qui s'appelle Attention, roulement de tambour. TMV, TMVP. TMV, TMVP. TMV, ouais je sais, je vous prends la tête. TMV, TMVP, c'est ⁇ tu me vois Tu me vois plus. Tu me vois Tu me vois plus <laughs> ?⁇ Oui, tu me vois, tu me vois plus. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps présent, ça veut dire que vous êtes ⁇ comment voulez-vous qu'on provoque le manque ?⁇ Si vous êtes toujours présent, toujours euh, au taquet, dès lors qu'elle en a besoin ou dès lors qu'elle le souhaite. Non, messieurs, non, non. Dans un couple, par exemple, c'est pareil. Si, pour manquer à quelqu'un, il faut, il faut, en fait, il faut qu'il ne soit pas là pour dire merde, il me manque. Vous voyez ce que je veux dire Sinon, ça ne peut pas arriver. Donc, pour provoquer le manque, eh bien, il va falloir être absent par moment. Être absent aussi, même si elle en a besoin, il faut qu'elle comprenne que vous ayez votre place. C'est bien le problème du, de la friend zone, d'ailleurs. C'est le problème d'avoir sa propre place. Et pour ça, eh bien, vous existez, vous avez un emploi du temps, si vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez, vous n'avez pas à devoir faire des efforts pour absolument voir madame et la satisfaire. Il faut parfois être absent. Et, et justement, le plus, au plus vous serez absent, je ne dis pas d'être absent tout le temps, bien évidemment, hein, mais si vous la voyez et que vous ne la voyez pas pendant un petit moment parce que vous avez des choses à faire, etc., bah, votre vie, ça veut dire qu'elle est intéressante. Et peut-être qu'elle va se dire, ah, il, quand même, avec ce mec-là, c'est bien. Parce qu'il euh, fait plein de choses, euh, il pourrait me faire découvrir des choses, j'ai envie d'être avec lui. Donc vraiment, la technique de tu me vois, tu me vois plus est très importante. Et enfin, la cinquième phase, ce sont éviter d'envoyer de, des textos à tout va qui ne servent à rien. Les textos de comment tu vas, comment s'est passée ta journée, évitez. Éviter dans le sens où euh, vous ne pouvez pas lui manquer si vous êtes déjà au taquet avant même qu'elle s'exprime. Soyez présent au bon moment, c'est ça le plus important. Donc vous éliminez, si, si vous vous rendez compte que vous envoyez des textos euh, voilà, chaque jour, euh, après son travail, avec cette, cette petite routine-là, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de vibrant. Je veux vraiment que le message soit passé, c'est que si, en tout cas, la femme que vous, avez envie, que vous êtes en train de courtiser euh, passe du temps avec vous, c'est qu'elle a envie de passer du temps avec vous. Sinon, elle ne le ferait pas. Et si elle a envie de passer du temps avec vous, c'est que déjà, vous avez gagné une grande place dans son cœur. En Règle générale, toutes les femmes ne sont pas égales, bien sûr, euh, sur les sentiments, égales aussi sur l'authenticité. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est de rencontrer une personne authentique. Si après avoir fait tout ça, vous vous rendez compte, et eh bien que, que la fille souhaite quand même vous voir et veut rester le bon ami, elle veut rester euh, la bonne amie et que ça vous fait souffrir, si vous n'êtes pas heureux, messieurs, eh bien il va falloir arrêter cette relation quoi qu'il arrive. Et, euh, Ouais, sur la friendzone j'ai tellement de choses à dire, mais j'en ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Mais c'est important que vous, vous rendiez compte que vous ne devez pas être à la merci de madame. Vous avez une énergie, vous devez utiliser votre place, vous devez vous rendre compte que ben, vous avez votre place dans le monde, quoi. Donc euh, non, euh, madame ne, ne ne doit pas euh, ne doit pas quelque, être en quelque sorte le pilier de votre vie. Voilà. Donc pour manquer une femme, voilà les cinq astuces. Euh, et puis, bah, écoutez, si vous avez besoin d'un coup de pouce, euh, je propose du coaching. D'ailleurs, la plupart de mes coachings, c'est de la Friend Zone. Vous pouvez cliquer sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.